Elle aurait pu être invitée quand elle avait 16 ans et que sa vie venait de basculer. Mais quand la vie bouscule, mieux vaut un peu de recul. 4 ans plus tard, il est temps, et Matteo Lucchini s'est prêté au jeu du souvenir, avec ou sans filtre. Mais j'ai fait, lui, je vous dis. Et bienvenue dans votre vie. Oh là là, Matteo Lucchini. On va la retracer, cette vie, à travers des photos, le monde que vous connaissez. J'ai 20 ans, vous m'en faites paraître là 55, quoi. Mais surtout que c'est pas vous quand même. Hein. Et non, ils sont beaux. Qui en a là? Alors là, on a ma grand-mère, Adèle San, hein, du coup, qui est devenue une Lucchini par mon grand-père, Don Jean. Don Jean. Voilà. Alors, on parle de qui? On parle de votre... on commence par votre grand-père. On commence par mon grand-père, allons-y. Ouais. Du coup, mon grand-père, là, maintenant, il a 74 ans. Il est né à Olen, dans son village. Il est monté à Paris, il avait 19 ans, à peu près. Il a démarré dans Rungis, via son père, qui avait un ami qui était là-dedans. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour lui, parce qu'il s'est fait tout seul et on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, et pour autant, c'est un travailleur. Il a bossé de 8 heures jusqu'à 8 heures. Il faisait du 24h24 pour sa famille. Oui, parce que le mot famille a vraiment un sens dans apprend la vôtre. Apprend tout son sens, ouais. Il vous disait « mes filles », vous et votre sœur. Il nous appelle « mes filles ». On est toute sa vie, c'est ça qui est sublime pour nous. C'est qu'il nous a élevés aussi quelque part. C'est-à-dire que quand mes parents partaient, ma mère à l'époque était journaliste, donc elle partait en tournage, ils nous gardaient les deux et c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup d'amour. Et on a énormément de chance de les avoir parce qu'on a manqué de rien. Mon grand-père était très pauvre et il avait à peine 1 euro en poche. Il vivait dans une toute petite chambre de bonne. Il avait de quoi s'acheter 2-3 cigarettes pour faire passer le temps. Et du coup, dès qu'on était petite, il nous donnait des petits argents de poche, des trucs comme ça pour qu'on manque de rien. La générosité. Et puis, c'est surtout aussi les blagues. Il nous emmenait manger des glaces alors qu'on n'avait pas le droit tard dans le village. C'est le vrai bon grand-père. Ouais. Et votre grand-mère, on va dire quand même quelques mots. Vous portez ses bijoux, là, aujourd'hui? Je porte ses bijoux. Ouais. Alors, ma grand-mère, je porte la plupart de ses vêtements. Elle s'habillait très bien. C'est pas sa robe, non, ça. Non, c'est pas sa robe. Mais elle s'habillait très bien. Et c'est une femme sublime, d'une douceur. Elle est attentionnée. Elle est aussi très généreuse. Et elle est très souriante. Elle aime la vie. Et elle a envie de faire plaisir à tout le monde. Donc, du coup, la plupart du temps, elle se perd un peu. Parce qu'elle ne pense jamais à elle. Ah oui. Et voilà, donc si on se lève trop vite pour débarrasser, c'est hors de question, on se prend tape sur la main, tu t'assois. mais c'est une femme incroyable parce qu'elle s'est occupée de sa famille, elle a attendu mon grand-père pendant des heures et elle a fondé une super belle famille. Et puis elle a fait. On va la voir, la famille. Mais voilà, on dit quand même, ça. Adèle, elle est ajaxienne. Adèle San. Vient d'Ajaccio, c'est Adèle ça. Adèle San. Ouais, ouais, ouais. Et votre grand-père, c'est Don Jean. Don Jean Lucchini. Don Jean Lucchini. Ouais. Tous les deux, donc on a bien compris que c'est l'amour presque idéal. Hein. Carrément, c'est pas facile même à assumer, ça. Ouais. Hein. Eh bien, on va parler de leur fils. De leur fils. Oh, je suis jeune sur cette photo. Hein. Ouais. Aujourd'hui, je suis jeune. Allez, ça va, laissez-moi un petit peu 2 ans de plus, là. On parle de Patrice. Voilà, mon père, Patrice Lucchini. Patrice Lucchini qui va faire, vous l'avez dit, une belle carrière dans le journalisme. Mais en fait, comme votre grand-père, j'ai l'impression, il part de pas grand-chose, il est exactement simplement monteur. C'est les mêmes profils. Mon ouais père, c'est un bosseur, il est acharné, il a eu la niaque de vivre. Et c'est pour ça qu'il est ce qu'il est maintenant. Hein. Ce qu'il est maintenant, on va quand même dire, c'est qu'il travaille dans une des plus grosses boîtes de prod de France, si ce n'est d'Europe. Il chapeaute un petit peu tout ça avec Tony Com, bien sûr, avec un autre Corse. Les routes de l'impossible, c'est lui. Aussi lui. Ouais. Les routes de l'impossible, ça parle. Et il a quelque chose de particulier, votre père. Et je trouve que cette photo, elle le montre bien. Je crois que c'est pas un gros bavard. Il est un peu un taiseux, mais il transmet beaucoup. Exactement. Alors déjà, bon, je vais me faire gronder, mais les Corses, ça parle pas beaucoup, en général. Mais c'est vrai que mon père, il transmet énormément. Et pareil, avec lui, on n'a jamais manqué d'amour. Il nous a transmis sa générosité, sa bonté, et puis surtout sa persévérance dans tout, quoi. Et on est très proches, je pense que cette photo témoigne aussi, on est très proches, je raconte beaucoup de choses, et voilà, c'est mon petit papa, j'en suis très fière, vraiment. Non mais comment il m'habillait, franchement? Oui, là, non, franchement. Parce qu'on va parler un petit peu de la famille qui a été fondée. Il rencontre votre maman dans une boîte de prod. Voilà. Parce qu'elle aussi est dans la presse, hein, journaliste aussi. Plutôt sur France 3. Enfin, voilà, SR3 c'est ça. Même à l'époque. Hein.
Exactement. Ma mère était journaliste à ce moment-là. Elle travaillait sur des émissions littéraires. Et en fait, ils bossaient dans le même bâtiment. Et ils se sont croisés dans les escaliers. Et ma mère me dit actuellement, j'ai su que c'était lui. Elle appelait sa pote, c'est lui, c'est sûr, quoi. Sauf qu'elle, il y a des choses qui vont changer. Son métier, déjà, elle va arrêter d'être journaliste. Aujourd'hui, elle fait complètement autre chose, votre mère. Elle est chanteuse lyrique. Chanteuse lyrique. Ouais. Ma mère, celle qui m'a appris le goût de la musique, elle est solaire, elle a tout le temps le sourire. C'est vraiment quelqu'un de génial. Elle m'a appris la flûte enchantée. On avait 5 ans, quoi, avec ma sœur. Et puis, c'est... Eh bien, tenez-vous en parler de votre sœur. Ma sœur Angèle. La sœur Angèle. C'est ça. Alors, avec la sœur Angèle, paradoxalement, ou pas bizarrement, en tout cas, c'est pas la super entente, non, quand vous êtes enfant? Ah non, alors, quand on est enfant... Donc, déjà, ma sœur, elle a 1 an et demi, 2 ans de plus que moi, ouais. Ce qui n'est pas énorme. Pendant l'enfance, c'était génial, parce qu'elle a pris énormément soin de moi. Elle était très, très protectrice. Donc, elle me défendait, elle me coiffait. On a énormément joué ensemble, donc j'ai des très bons souvenirs. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence... On commence à piquer des vêtements, on commence à vouloir ressembler. Elle supportait pas que... Enfin, je voulais lui ressembler, quoi. Donc, j'achetais les mêmes affaires qu'elle, elle pétait un câble. Je voulais avoir la même coiffure qu'elle, elle pétait un câble. Mais ça, c'était pendant l'adolescence. À l'heure actuelle, vraiment, on va avoir l'occasion. On va avoir l'occasion de revenir à ce qui se passe aujourd'hui. Et on va... Dernière photo de cette partie. J'aime beaucoup celle-là, moi. J'ai aucun flow. C'est une catastrophe. Parce que vous l'avez dit, vous allez grandir à Montreuil. C'est ça. Hein, ouais. À Montreuil. Une enfance, quand on voit ces deux photos, une enfance heureuse, vous l'avez déjà dit. Ouais, complètement. Mais là, ça se voit. Bon, c'était rempli de dinettes, de caissières. Vous voyez, moi, quand j'étais petite, je disais, je voulais être tête-caisse. Et pas, je voulais être caissière, je voulais être tête-caisse. Parce que je pensais que tout l'argent qu'on encaissait, c'était pour nous. Hein? J'en avais là-dedans. Donc, et la danse. Voilà. Et la danse, ça a fait 8 ans de ma vie. J'ai commencé donc toute petite et c'était une catastrophe. Je suis gauchère, donc c'était horrible. On me demandait de lever la jambe droite, je levais la jambe gauche. Mais j'étais gracieuse, franchement. Regardez, il y a le port de tête là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On va voir ce que quelque chose va donner dans la vie. Et on va faire une petite pause là, ouais. Et on va rejoindre la deuxième partie de votre vie, si c'est vous parti. Voulez bien. Allez, c'est par là. Madame, allez, installez-vous. C'est chic chez vous. N'est-ce pas? Alors, j'ai choisi cette photo. Ah, j'ai la même tête. Vous avez 14 ans, là, Mathilde. J'ai 14 ans, à ce moment-là. Vous êtes à Paris. Je suis à Paris. Et qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que je me fais repérer dans la rue. Et donc, c'était une scout, on appelle ça comme ça, les gens qui repèrent les mannequins dans les rues. Et en fait, ils m'ont proposé, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Tu fais 1 mètre combien ? Est-ce que tu as déjà entendu un peu parler du mannequinat ? Est-ce que ça te dirait de devenir mannequin ?» Alors vous faites quand même 1m79. C'est ça. Donc dans la rue, effectivement, on vous remarque quand même déjà. Voilà, oui. Il s'agissait de l'agence IMG. Donc j'ai eu un premier rendez-vous là-bas. Et en fait, on peut signer une mannequin seulement à partir de 16 ans. À ce moment-là, j'en avais 14. Donc ils pouvaient rien faire pour moi. Sauf que quelques mois plus tard, la directrice de casting m'a parlé d'un concours qui était en train de se préparer avec Vogue, en partenariat avec Dior et IMG, l'agence. Et moi, à ce moment-là, j'étais en première, je faisais des études, j'étais au lycée, j'avais une vie complètement banale. Et elle m'a dit, écoute, il faut que tu envoies des photos. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, mais je ne sais pas faire de photos. Quelles photos il faut envoyer? Et donc, ils m'ont proposé de faire un shooting pour envoyer ma candidature à ce concours. Et du coup, c'est ces photos-là. Donc, c'est mes toutes premières photos un peu professionnelles, ouais. Et puis surtout que quand on vous propose ça, vous partez en vacances. C'est ça. Parce que vous êtes quand même cool. C'est-à-dire, en tout cas, je ne suis pas très rigoureuse. Donc, c'est à l'école comme dans la vie en général... J'oublie d'envoyer mes photos. J'étais sur le bateau en Corse, j'avais autre chose à faire, j'avais plus à remplir mon bronzage qu'à envoyer des photos. Donc du coup, je ne les ai pas envoyées. Et en septembre,
Donc cette même personne, la directrice de casting, m'appelle en disant « Mathéa, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi t'es pas dans les 15 sélectionnés ?» Et donc moi, je n'ose pas trop dire. Je lui dis bon, « Je sais pas, je comprends pas. » Il me dit « T'es une menteuse, t'as pas envoyé ta candidature. » Donc du coup, alors ça c'est un petit secret du coup, parce que personne ne le sait. Du coup, elle a appelé le concours. Et elle a dit « J'ai une fille à vous présenter, il faut vraiment l'inclure dans le concours, dans la finale, il y a vraiment quelque chose à faire avec elle. » Et on est passé de 15 finalistes à 16 avec moi. D'accord. Voilà. Et vous arrivez donc devant ce jury. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai Bella Hadid en face de moi et la directrice du Vogue, le rédacteur en chef, le plus gros maquilleur de Dior, Peter Phillips. Et là, je me dis « Ok. » On va faire moins la maline et on va se concentrer un petit peu. Voilà, en gros. Mais sauf que vous n'allez pas perdre votre naturel, parce que ce jour-là, on fait faire quand même des petites vidéos, je crois. Ouais, c'est ça. Et on va voir ce que ça va donner, justement, face à ce jury prestigieux. Oh là 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 là. Vous vous comportez comme ça. Bonjour. Bonjour. Est-ce que t'as une icône? Romy Schneider, je dirais. Est-ce que t'as un animal de compagnie? Oui, un chat. Il s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Patafix. C'est une longue histoire familiale. Mais bon, c'est un style, hein. Est-ce que t'as un talent caché? Moi? Pas du tout. Je sais pas chanter, je sais pas danser. Pourtant, j'ai fait 8 ans de danse classique, hein, mais ça devrait fonctionner. Je veux dire mon humour. Ça marche, ça. Eh bah ben, écoutez, ça, apparemment... Ça, c'est spontané. Vous saviez qu'en faisant ça, ça allait marcher, quoi? Pas du tout. Parce que je vous avoue que, en fait, les filles l'avaient passé en arrivant, et moi, c'était à la fin de la journée, ouais. Donc en fait, on était crevés, et ils nous avaient pas expliqué que ça allait être des vidéos qui allaient être mises sur Internet, et les gens allaient voter par rapport à ces vidéos, en fait. On avait pas eu du tout l'écho, donc du coup, moi, je suis arrivée, comme ça, et puis on m'a posé des questions, bah, j'ai répondu, et puis je me suis dit, c'est sympa, ils sont sympas... Allons-y. Ils vont la voilà. Nature, quoi. Ouais, comme puis, je suis, quoi. C'est vrai que ma mère m'a dit, soit tu fais ça pour rigoler parce que c'est sympa et c'est chouette, soit tu te prends au sérieux et si tu gagnes pas, tu vas être trop déçu, quoi. Donc du coup, je me suis dit, je vais y aller, je vais passer un bon moment. Et ça a été le cas, j'ai passé une super journée, quoi. On s'est marré, j'ai appris plein de choses. Et puis vous avez fait une rencontre aussi. C'est ça. Donc à la fin de la journée, on se retrouve à faire cette fameuse photo des filles tout ensemble. Et vous, Mathéa, vous êtes habillée en rouge au milieu. Ouais. Alors, il y a une petite histoire, on n'est pas sûr, c'est un peu secret. Mais c'est vrai qu'on pense que la styliste qui nous habillait à ce moment-là a joué un rôle là-dedans. Ouais. Et je pense que j'étais un petit peu sa chouchoute. En plus de ça, on s'est rencontrés le jour même, on s'est très bien entendu. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'a mis un pull rouge. Pour que je sorte un tout petit peu du lot. Et puis surtout, quand on nous a placés, je ne sais pas si vous voyez, les filles sont moins grandes que moi et ils m'ont mis au premier rang. Mais alors bon, je ne sais pas ce que ça voulait dire à ce moment-là. Moi, je n'avais pas du tout calculé. Pour moi, j'étais une de plus ou une de moins. Oui, parce qu'à la fin de la journée, on vous dit merci mademoiselle, c'est gentil, vous avez été top. On vous appellera. Oui, c'est ça. On vous appellera. Exactement. Et là, vous partez en vacances au Maroc. Au Maroc, avec ma mère. Et au Maroc, avec votre mère. Eh bien, il se passe ça. Regarde. Elle a gagné! Elle a gagné! Elle a gagné! She's a top model of Vogue! Woo! J'ai une super dégaine en plus de ça. Ma coupe est sublime. En direct, quand vous apprenez que vous êtes sélectionnée. Hein. C'est bien ça. Donc du coup, j'étais partie en vacances avec ma mère. Et le concours a duré assez longtemps parce qu'il y avait le vote du jury, le vote du public. Et je vous avoue vraiment, hyper honnêtement, je ne pensais pas du tout gagner. Parce que pour moi, les autres filles avaient un peu plus de charisme. Et puis elles avaient plus le corps pour, la peau aussi pour. Donc je ne me voyais pas du tout gagner. Donc c'était un super moment. C'est un super moment, mais elle dit « She's a top model ». Donc ouais. Pour vous, à ce moment-là, ça y est, la gloire, l'argent, on se dit ça? Eh bah, bien, en fait, pas du tout. Parce que les choses se sont très vite accélérées. J'ai commencé à recevoir des millions de messages. J'ai la directrice de Vogue qui m'appelle, l'IMG qui m'appelle, qui me dit « Il faut prendre rendez-vous pour signer le contrat ». Je suis sur tous les réseaux sociaux,
Je gagne 5000 abonnés, j'ai plus de 300 demandes en amis sur Facebook. J'ai rien compris à ce qui se passait. Ah oui ? Vraiment. J'ai regardé ma mère comme ça, elle m'a dit « Ok, je prends ton tel, on se calme, on va boire un coup. » Parce qu'en fait, tout est arrivé tellement vite. Sauf que vous l'avez dit quand même à mot couvert depuis le début, vous à l'époque, vous êtes comme ça quand même encore. Ouais. Alors c'est un peu plus jeune, mais vous ne vous trouvez pas à ces femmes. Ouais. Ça va même plus loin, c'est qu'on vous appelle. On vous appelle comment Ça c'était au collège, je crois que j'étais en 5e. Et en fait, je mettais des vêtements très très larges parce que je suis à la limite d'être anorexique là. Hein. Et en fait, c'était dans ma morphologie, c'est-à-dire que je ne mangeais pas et du coup, j'étais très complexée. On m'appelait girafe ou fil de fer. Et c'était super compliqué pour moi parce que du coup, je me levais le matin, je me détestais. Et puis, ma mère m'achetait des trucs vraiment super gras pour prendre du poids, etc. Et puis finalement, le pédiatre a fini par nous expliquer que c'était ma morphologie, que ça allait venir avec le temps et qu'il fallait que je m'accepte. Comme je suis, mais en même temps aussi, vous grandissez, vous êtes en pleine croissance, vous avez vos premiers petits copains, vous essayez de plaire un peu à tout le monde, et vous n'avez pas de poitrine, vous n'avez pas de fesses, vous n'avez pas de jambes, du coup, vous vous dites « je ne suis pas une femme », alors qu'à l'heure actuelle, c'est complètement faux. Vous pouvez avoir de la poitrine comme pas du tout, et vous pouvez être une femme à part entière. Mais c'est vrai que ça a été une période très compliquée de ma vie, ouais, parce que j'étais très malheureuse, et c'est pour ça que je mettais que des vêtements de mon grand-père ou de mon père, quoi. Et puis, il y a un autre souci, à ce moment-là aussi, enfin, souci entre guillemets, c'est que, vous le dites vous-même, je vais mettre la photo, puis on va en parler. En fait... Le bike ! Non, vous savez que je suis encore traumatisée, hein, là, je peux lâcher une larme, hein, vraiment. Mais parce que, vous avez raison, parce que, finalement, vous passez ce bac, votre mère dit, tu lâches pas le bac. Mon père aussi, ouais, les deux. Il faut que tu le fasses, le bac. Et c'est un super souvenir. Sauf qu'aujourd'hui, vous dites, peut-être aurait-il mieux fallu que j'arrête le bac parce que c'était à ce moment-là que j'aurais dû plus faire de la photo. Alors, je vous ai dit, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ma carrière, elle aurait pu faire ça. Tout le monde m'appelait, tout le monde me voulait, j'étais la nouvelle. Les marques s'arrachaient, en gros. On vous voyait partout. Exactement. Sauf qu'à ce moment-là, mes parents, et je les remercie hein, vraiment à l'heure actuelle, m'ont dit, c'est hors de question, tu n'arrêtes pas tes études, j'étais en première, tu passes ton bac, et ensuite tu fais ce que tu veux de ta vie, mais il te faut au moins cette base. Et ça a été un traumatisme pour moi, parce que j'ai mes deux meilleures potes qui sont là, et du coup, qui, elles, l'ont eu du premier coup, alors que j'avais bossé, mais je vous jure, hein, je vous mens pas, hein, j'avais vraiment bossé. Ouais. Je sais pas si vous me mentez pas. Franchement, je préférais me dire, c'est pas possible, c'est pour ça que j'ai pas eu du premier tour. Non, mais voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 3 jours d'enfer, au sens propre du terme, et parce qu'en fait, j'ai dû repasser le lundi et j'ai bossé pendant 3 jours, jour et nuit. Et quand vous devez replonger dans vos cahiers, alors que c'est l'été, j'étais censée faire le tour des festivals avec mes potes, c'est monstrueux. Et c'est 3 jours très importants pour ma mère et moi, parce qu'on a été comme ça. On s'est pas lâché. Je dormais avec elle, hein, alors que j'avais 18 ans. Et elle m'a donné une niaque. Et on a pleuré après, toutes les deux, parce qu'elle a eu le même stress que moi. Je peux vous dire, ma mère, elle a allumé une bougie à l'église. Elle a prié pour moi, hein, quand je suis arrivée à mes euros de rattrapage. Mais ça a été un moment très fort entre elle et moi, parce qu'on, finalement, on l'a passé ensemble, ce bac. Et c'est à l'heure actuelle, je vous jure, l'année dernière, je faisais encore des cauchemars là-dessus. Parce que c'est compliqué pour moi, parce que je me dis que je suis mannequin. Et quand on vous dit que vous êtes mannequin, bah, vous n'en avez pas beaucoup, vous ne réfléchissez pas beaucoup. Et du coup, de se dire, bon, OK, donc j'ai pas eu mon bac, je l'ai eu au rattrapage. Et en plus de ça, je suis mannequin. Niveau confiance en soi, c'est pas au top, quoi. Mais je suis assez fière parce que je me suis battue jusqu'au bout. Au moins. Voilà. On n'est pas au bout de l'histoire, là. On n'est pas au bout de l'histoire. Vous dites ciao à cette vie-là. Et ce que je vous propose, c'est de voir à partir de ce moment-là, vous avez votre bac, vous êtes mannequin, et on va voir ce que ça va donner la vie d'après. Allez, c'est parti. Allez, venez avec moi. Dernière pièce, Mathé. Alors, où sommes-nous ? Le bac en poche. Maintenant, vous êtes mannequin. Et quand on est mannequin, Mathé, il se passe ça. C'est ça. Ben, ça, c'est le premier shooting Vogue.
Voilà. Et j'ai mis cette photo-là parce que vous qui étiez un petit peu complexée, mm-hmm. là, il faut apprendre à confier son corps. Là. C'est ça. Alors, en plus, c'est mon premier shooting. Et en fait, dans le mannequinat, ce qui est super, hein, c'est du coup, vous avez les stylistes, les coiffeurs, les maquilleurs, et on vous touche en permanence, quoi. Donc, en tant que styliste, vous vous mettez à poil devant elle et il faut lui donner toute sa confiance, quoi. Et donc, moi, à ce moment-là, personne ne m'avait vu nue, j'étais un peu comme ça, je me cachais, j'étais mal à l'aise. Et en fait, elle m'a expliqué que si j'étais comme ça, ils n'allaient pas pouvoir bien travailler parce qu'elle, elle va être en permanence en train de me toucher. Le coiffeur, pareil, il vous prend le cheveu, il vous le tire, votre tête, elle fait ça, etc. Il faut donner toute sa confiance. Et c'est ce que j'ai fait parce que... Et ça vous fait même avoir confiance en vous, du coup, aussi. Complètement. C'est surtout là où ça a même appris ça. À faire de la lingerie, ouais. À faire de la lingerie. Ah, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué parce que... Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, mais ça rapporte déjà beaucoup. Et puis, moi, on m'a toujours dit que j'avais des longues jambes, donc il fallait que j'en fasse un jour. Donc, je ne voulais pas en faire au lycée parce que j'étais encore dans ce truc où je ne voulais pas que les gens regardent mon corps, etc. Et ensuite, j'ai appris à le laisser à la vue de tous, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à faire de la lingerie. Et finalement, ça a été très, très compliqué. Ça l'est encore, hein, parce que quand vous vous regardez à côté, vous allez voir les petits bourrelets, les détails, les trucs, les machins. Et surtout, en ce moment, c'est... Tout est en train de... Vous voyez, les modes changent. Donc, on accentue vachement sur vos défauts, ce qui est super. Mais pour vous-même, c'est vraiment pas simple de vous regarder. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous ne défilez pas. Non, je ne défile pas. Et j'ai cru comprendre que le premier... Un jour, on vous a fait une réflexion. Qu'est-ce qu'on vous a dit comme réflexion, d'ailleurs ? Alors, on m'a dit, vulgairement, ton cul ne rentrera pas dans du Chanel. Donc à ce moment-là, moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, j'entrerai dans du Saint-Laurent, finalement, voilà. Et ben, je ne rentre pas non plus dans du Saint-Laurent. Donc du coup, en fait, c'est pour ma part, parce que moi, j'ai des amis qui sont mannequins et qui adorent ça et qui s'éclatent. Alors déjà, moi, je galère. Je suis gauchère, j'ai deux pieds gauches à marcher avec des baskets. Alors avec des talons, je vous dis même pas, vraiment. Et puis surtout, c'est une pression que moi, j'apprécie pas du tout, parce qu'il n'y a pas ce rapport humain. En fait, vous êtes tout le temps dans le rush, vous commencez à 8 heures, vous terminez très tard et vous êtes 60 à défiler. Il n'y a pas ce truc de communication avec le maquilleur, avec la personne qui va vous coiffer, etc. Et c'est pour ça que je préfère faire de la photo. Et puis surtout, on vous demande d'avoir une taille que moi, je ne peux pas atteindre. Quoi. Humaine. Inhumaine, franchement. Ah oui, dans les défilés, ouais, dans les défilés. Ouais. Et puis voilà, après, on vous propose de faire des régimes verts, donc à base de verre. Puis on arrive à vous dire que les petits pois, c'est trop gras. Alors bon, bah vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais manger ? Mais par contre, voilà, je répète, hein, moi j'ai des amis qui adorent ça, qui s'éclatent. Mais c'est pas mon domaine, parce que pour moi, voilà, la photo, il y a un rapport plus humain. Donc, J'ai mis volontairement cette photo, parce que j'imagine que quand on est en couple, ça crée quelques petits soucis, ça. C'est ça. Hein ? Alors... Et votre petit copain, quand vous avez commencé la lingerie, il n'était pas super d'accord. Non. Bon, il a toujours été très ouvert par rapport au mannequinat, il est très fier de ce que je fais. Hein. Mais c'est vrai qu'au tout début, malheureusement, ça, Paris, c'est assez petit, un peu ça, ça parle beaucoup. Et donc quand on vous dit, ouais, ta copine a tout le temps le cul à l'air, bah, lui, il est un peu, non, c'est pas ça, le mannequin. Donc c'est vrai que ça a été très conflictuel entre lui et moi au début. Et finalement, j'ai fini par lui dire que c'était moi, c'était mes choix, et que s'il ne les comprenait pas... On avait un peu rien à faire ensemble. Et finalement, il a compris, il est assez fier, il me soutient beaucoup. Même quand j'ai des petites périodes de baisse où je lui dis que je me sens pas bien dans mon corps, que soit j'ai pris du poids, soit j'en ai trop perdu, il me rassure et il est là pour m'aider et il me soutient énormément. Donc les choses ont un peu changé maintenant. Ben, on va continuer d'en parler, de ce garçon super là. C'est en se mettant, bougez pas. Mettez-vous là plutôt, regardez. Cet homme bienveillant et gentil, c'est lui. C'est ça. Et la plupart finissent rayés quand elle parle, elle est sensible et sensée. Fait que cibler l'essentiel. Après le corps à corps, mon amour, tes yeux brillent autant que les étoiles qu'il y a dans le ciel. Se séparer d'elle, c'est pas pareil. On parlera d'amour dans une ruelle. Tu t'énerveras quand je dirai que l'amour, c'est que passager. Que toi, t'es passagère, mais c'est que la vérité. Dans le fond, je veux pas t'irriter. Surtout, je veux pas rater ce qu'il y a entre nous. Beaucoup de talent. Roman, c'est ça. Effectivement, donc, il fait de la musique, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a du talent, bien sûr, mais que vous l'avez rencontré il y a super longtemps et que c'est une belle histoire. Ouais. Deux, quoi. Bah, on s'est rencontrés, moi j'étais en quatrième et on était meilleurs amis à l'époque et on a été
Bon, on l'est encore à l'heure actuelle, hein, mais du coup, c'est vrai qu'on était, très très proches. Et c'est vraiment mon confident. C'est quelqu'un qui a toujours su me comprendre et on s'est toujours soutenus. C'est vrai que lui, il fait un métier qui n'est pas facile non plus. Et c'est, vous avez toujours ce petit côté artiste un peu torturé, ça va jamais, etc. Mais on soutient tous les deux parce qu'on fait des métiers pas simples, hyper bancales surtout. Mais j'essaye de jouer le jeu. Vous et aussi, de dire vous aussi, il faut jouer le jeu. Hein. C'est ça, exactement. Absolument. Si vous demandez ce qui joue le jeu, il faut que vous aussi vous jouiez le jeu. C'est ça. Et vous dites qu'il n'était pas jaloux, mais vous le maltraitez un petit peu des fois parce qu'on vous retrouve où ? On vous retrouve ? À New York ! À New York ! Avec maman, sans lui ! Avec maman et sans lui. Qu'est-ce qui vous a pris de partir à New York ? C'était quoi, au mois de février dernier ? C'est ça. Hein ? Donc le 10 février. En fait, ça faisait plusieurs temps que ça me trottait dans la tête et je me disais, bon, là, je suis jeune, mais il faut un tremplin, il faut que quelque chose change dans ma carrière. J'ai fait le tour à Paris. Ouais. Mais c'était une expérience géniale qui a été très courte. Parce que le corona. Le corona est arrivé. Donc moi, j'ai dit bonjour, j'ai dit au revoir. Très vite. Oui, vous êtes arrivé en février, vous êtes parti début mars. C'est ça. Hein? Donc je suis restée 3 semaines. C'est un goût d'inachevé, New York. Complètement. Mais alors, en même temps, quand vous revenez, vous retrouvez votre chérie, vos potes, vos parents, votre petite maison cocooning, repartir dans la galère, dans les problèmes d'argent et avec les cafards de New York, vous n'avez plus trop envie, là. C'est pas trop d'actualité. Mais effectivement, vous l'avez dit au retour, j'ai mis cette photo. Pour finir avec cet écran, c'est votre boîte. C'est ça. Hein, c'est votre boîte. Et vous êtes là, vous. Je suis là, c'est et vrai, surtout, je ne l'avais pas vu. Vous êtes en woman. Et exactement. Ça, c'est très intéressant. C'est que vous avez commencé en New Face. C'est ça. Et aujourd'hui, quand on est woman dans cette agence, on a du boulot. Ouais. Bah, hein? On vous fait plus confiance. Donc c'est... Et donc, est-ce que vous savez aujourd'hui que ça va être le métier que vous allez faire encore longtemps ? Est-ce que... Bonne question. Non, je vous avoue, c'est vrai que c'est un métier qui est aussi très éphémère. Donc, vous pouvez vous arrêter à 25 ans, comme à 55 si vous devenez Kate Moss. Mais je n'ai pas le culot de me dire que voilà, j'aurai cette carrière-là. Donc, je laisse la vie m'aiguiller et décider. Et puis, je pense que j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie peut-être de tenter dans le cinéma et j'ai envie de voyager. J'ai envie de faire confiance en la vie. Donc, je ne sais pas ce que je serai demain ni dans 10 ans. Mais en tout cas, c'est vraiment super de pouvoir faire ce que je fais à l'heure actuelle, vraiment. Donc, en tout cas, je sais où vous serez certainement au moins une fois par an. C'est là, dans 10 ans, comme l'année prochaine. J'imagine que vous savez que je vais montrer. À la maison. Eh oui, en Corse. Ah, bande de petits filous, vous l'avez pris sur mon Instagram. C'est Instagram, moi. Moi, je fais de l'enquête. Hein. Je fais de l'enquête. Vous avez bien raison. J'ai pas d'autres photos de vous en Corse, effectivement. Monachi Adolène, obligatoire. C'est chez moi, c'est ma maison, c'est mon enfance, c'est mes souvenirs, c'est ma famille, c'est tous ces petits rituels que je veux préserver toute ma vie, quoi. Et pour les générations à suivre, j'espère faire plein de bébés pour leur montrer. Vraiment, ça nous tient tellement à cœur, ma sœur et moi. Et c'est des valeurs et des moments que j'oublierai jamais. Donc là, on est à Monachi Adolène et là, on est à Ajaccio. Allez, il est temps de se quitter. Une photo, selfie. Une de plus, allez. Une de plus. Vous en faites maintenant des selfies, j'imagine, c'est un truc de fou. Hein? Allez. C'est parti. Il est fait. Il est fait. Magnifique. Merci. Simple et efficace. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Longue vie à vous, Mathéa. À bientôt. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Pareil. Bonnes vacances. Au revoir.